Je suis vraiment très heureuse que nous nous retrouvions tous ensemble ce soir pour cet événement essentiellement convivial, pour partager un verre, la galette traditionnelle et pouvoir vous adresser mes vœux pour 2020. A été une année encore très riche pour Athénée Entreprendre, très riche de rencontres, d'échanges de cartes de visite, beaucoup d'animations aussi à destination des salariés et toujours beaucoup d'émotions. Pour 2020, on a un vrai engagement aujourd'hui parce qu'en 2019, nous avons monté un projet d'écologie industrielle territoriale et on a d'ailleurs obtenu le label Parc Plus, qui est le label engagé des parcs d'activité. Et en 2020, vraiment, c'est l'objectif de développer ce projet EIT qui va amener les entreprises à la réduction des déchets à la source. Et on a un autre grand projet aussi, c'est de développer Atelia le Club, un vrai club business, de déjeuner entre chefs d'entreprise pendant toute l'année. Mais évidemment, toujours beaucoup de rencontres, beaucoup d'after-work, beaucoup d'échanges entre entreprises, beaucoup de services pour les entreprises. Du coup, moi, en étant arrivé tout récemment dans la zone Atelia, l'avantage était déjà de pouvoir profiter de tout le savoir-faire d'Atelia Entreprendre en termes de réseau, de connaissances. Je trouvais bien de pouvoir rentrer dans cette zone qui fait des milliers de travailleurs et plus de 300 entreprises et de connaître un petit peu mieux ce qui nous entourait. J'en ai aussi bénéficié au début pour chercher nos locaux. Du coup, là, on a pu revenir à la Sultan, moi je viens d'ici et c'était important en arrivant d'aller voir Atelia Entreprendre pour des événements comme ça aussi et rencontrer aussi du monde et être au courant des projets qui se passent dans la zone d'Atelia.